Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette de cookies aux noix et aux raisins. Pour cette recette, il vous faudra du tofu soyeux, forcément des noix et des raisins, des noisettes en poudre, un peu d'amande complète, la purée d'amande complète, voilà, du chocolat en poudre, de la farine d'épeautre, du bicarbonate, du sucre complet, un peu de sucre complet, et on prendra forcément un sachet de levure pour faire lever le tout. Première étape de la recette, donc c'est de mélanger tous les ingrédients solides. On va mélanger dans un cul-de-poule 125 g de sucre complet. Ah. 100 g de noisettes en poudre. Ensuite, 175 g de farine d'épeautre. Alors, vous pouvez réaliser cette recette avec de la farine de blé normale, mais la farine d'épeautre apporte un petit goût original. Bien, 175. Donc, on va mélanger tout ça. À quoi? Ah, excusez-moi. On va rajouter aussi dans les ingrédients solides. Ce que j'avais oublié, c'est qu'on va rajouter quand même le cacao en poudre. On va en mettre une cuillère à café. On a choisi du cacao non sucré, le blanc douteux, bien noir, bien. Une seule. C'est trop généreux. Et on va rajouter tout de suite la levure chimique, un sachet, une pincée de sel. Alors voilà, oui, nous on utilise du sel dans les pâtisseries. Voilà, pour faire monter. Enfin, dans les pâtisseries. Une pincée de sel et une pincée de bicarbonate. Pas trop, hein. Voilà. Et on mélange le tout. Ça, c'est la première étape de la recette. Après avoir bien mélangé les ingrédients solides, on rajoute 200 g de tofu soyeux. Et 3 cuillères à soupe de purée d'amande. Ça sent très bon. Et on va mélanger le tout. On mélange soigneusement en fait la pâte au batteur pour avoir une consistance homogène. Ensuite, après avoir battu la pâte, on va concasser une poignée de noix, une grosse poignée. Alors, notre pâte est prête, on y a mélangé les raisins secs et les noix concassées. Donc avec cette quantité de pâte, Mickaël a déjà fait 2, 4, 6, 7 cookies, 7 gros cookies. Donc il nous restera encore un petit peu de pâte pour en faire à peu près la même quantité. Donc avec cette recette, vous pourrez obtenir 14 gros cookies. On espère que cette composition vous plaira. On vous dit à bientôt. On vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous.